consommation de ne pas manifester. Innovation dans le droit français, monsieur Éric Roux essaye de m'interdire, de nous interdire de manifester. Hein. Bien entendu, je ne suis pas le chef des Anonymous. Le chef des Anonymous, c'est lui. Non, c'est lui, c'est Anon Vicieux. Non, on avait dit que c'était lui. C'est lui, chef, c'est lui. Non, attends, s'il te plaît. Bah, on avait dit que c'était toi. La chef des Anonymes, tout le monde le sait, c'est Nefertiti. Je sais qui c'est. Et nous sommes là depuis 74 millions d'années. Notre ami est Xenu. Attention. Loué soit Xenu. Xenu. Oui. C'est une chanteuse qui malheureusement est morte. Attends, il y a un commandant. Attends, commandant de la flotte marque. Wow, c'est vous le chef des Anonymes, hein? Un moustache. Enlève ta moustache. La dissolution. Hier c'était la Tunisie et demain le monde entier, l'univers. Ta 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 la ta ta la. Ta 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 ta. Je vais le répéter parce qu'elle n'a pas voulu le prendre en compte, mais par contre c'est bien, je le répète bien ici devant 100 personnes. Ils ont un processus de religieux qui s'appelle le R245. J'invite toutes les personnes qui ne connaissent pas à aller voir sur Google. Personne. Le Christ n'aurait jamais existé, ça serait un implant que des extraterrestres auraient mis dans la tête il y a 74 millions d'années. Il prie des tonnes et des tonnes. Il savait de quoi il parlait, donc, ce monsieur. D'ailleurs, monsieur Bobobar, qui est l'inventeur de l'église de scatologie, fondée en 1953. S'il vous plaît, vous disiez tirer la chasse. Ah, oui, tirer la chasse. Vous avez été écrit par monsieur, pas bien prononcé, fondateur de l'église de scientologie. Ah, il fallait entendre scientologie. En OT2, on vous apprendra ce que c'est qu'un R245. Alors, OT3, vous trouverez toutes les solutions à Xenu OT3 sur Google. Il est là. C'est les vrais chefs qui sont là. Le chef clandestin. Nous avons donc le chef clandestin de la clandestinité anonyme. Waouh. C'est lui. Escroc au pluriel. Escroyal. Mets-toi à côté. Toi aussi, Boulara, vas-y, Michel. Michel, viens à côté, Michel. C'est lui le chef. Madame, c'est lui le chef. Madame a été récupérée. Non, c'est pas moi, c'est moi. C'est moi le chef. Il y a un changement du pied. Wincake. Est-ce que c'est de la 2D? La 2D, un D2, comme on dit 2D? 2D. Waouh. Personnellement, Agnès, il fallait la voir à Bruxelles parce qu'il est en pleine 2D avec. Et il est en pleine 2D avec Agnès. Oh là là. Cette année, ça va être le...
try again. Okay, I'll repeat in English if you don't understand French. You have the horses, the RPF, rehabilitation, project flush. You put people inside, in jail, against their will. And I hope you understand what I'm saying. You are criminal and dangerous people. Maintenant, français. Et si tu veux en espagnol, je te le dis aussi. Et est-ce que, qu'est-ce que c'est que cette histoire de passeport? Vous pouvez répéter? Alors, il garde les passeports. Il garde les passeports dans un camp passeport. Il nous enferme dans des goulags, dans des camps, avec des partenaires, on ne peut pas s'échapper, et avec des gens armés. C'est ça, la liberté? Et ça a été fondé donc par... La faillite. Hein? Alors d'abord, il vous clarifie votre compte en banque, après il vous neutralise votre famille, et puis il finit par vous enfermer dans un goulag. Et il paraît que sa femme... Il paraît que sa femme a fait de la prison à sa place aussi, il était... Ouais, ouais. Il a été impliqué dans l'affaire Snow White. Courageux, mais pas terrible. Ah oui, le Snow White, frère. Oui, bien sûr. Bah ouais, bah lui... lui, il était complètement gâteau, là. Et puis genre, il envoie sa femme au casse-pipe. Il y a des personnes qui ont été personnellement agressées par des scientologues. Alors, on ne peut pas dire sur ordre ou pas sur ordre, mais tout ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont bien et bien été agressés. J'ai moi-même failli me ramasser une patte sur la tronche la dernière fois que je suis allé à Volopoli. Le monsieur nous a coursé jusqu'à la mairie à l'Est, et il a découvert que c'était des anonymes, évidemment, avec mon beau masque, et il a justifié l'emploi de la violence. Donc, est-ce que les scientologues Voilà ce genre d'organisation humaniste. Et ceci n'est qu'à...